FanMilk International est une société exerçant dans le domaine de la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus présents dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis sa création en 1960 au Ghana, FanMilk a bénéficié d'un développement rapide, notamment grâce à son circuit de distribution unique. Installé progressivement au Nigeria, Togo, Bénin, Burkina Faso et en Côte d'Ivoire avec le même modèle de produits vendus directement aux consommateurs. La société FanMilk dispose d'un modèle économique unique porté par un réseau de ventes de proximité et un circuit de distribution de plus de 20 000 vendeurs indépendants à ce jour sur l'ensemble de ces 6 pays. Depuis 2002, FanMilk Côte d'Ivoire a développé son activité en associant des marques historiques telles que Star et Viking aux piliers FanMilk que sont FanYogo, FanDango et FanIce. En 2016, FanMilk continue d'innover et vise des objectifs beaucoup plus ambitieux grâce au lancement de sa nouvelle gamme de produits glacés, frais et ambiants, avec de nouveaux produits et conditionnements plus modernes, plus pratiques et plus fun. La société bénéficie d'une complémentarité d'expertise et de savoir-faire unique grâce à ses actionnaires, le groupe Danone et le groupe Abrage, devant lui permettre de se développer sur le marché des produits laitiers en Afrique de l'Ouest. Le lancement d'une plus large gamme de produits dans des emballages modernes, pratiques et fun en est la preuve. Ce plan de relance s'inscrit dans une ambition qui engage l'ensemble des salariés, actionnaires et partenaires de distribution de FanMilk Côte d'Ivoire et doit écrire une nouvelle page de l'histoire de FanMilk Côte d'Ivoire. FanMilk, c'est une société, c'est beaucoup d'hommes et de femmes. On est pas loin de 2000 en fait. On est beaucoup d'agents aussi, plus de 2000. Et on a beaucoup de vendeurs, plus de 20 000. Et tous ces gens-là, ils sont répartis sur 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Et on a aussi certains compagnons qui se trouvent bien loin au Danemark et qui nous apportent beaucoup de support. Abrage, c'est un acteur de référence dans le secteur de fonds d'investissement. Dans les pays émergents, nous appelons Abrage les pays de croissance. Le personnel de FanMilk Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux qui sont ici, ils ont vu ce qui s'est passé en 2014 et 2015, ils sont témoins. Donc c'est à eux aujourd'hui de démontrer que l'effort qui a été fait par les actionnaires ne sera pas vain. Et ce qu'on peut leur promettre, c'est de faire avec eux de la Côte d'Ivoire l'un des pays phares du groupe FanMilk. Donc ici à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de potentialités. Pour nous, c'est de pouvoir travailler avec engagement. Abrenote, c'est un groupe alimentaire mondial, un des groupes importants qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui opère dans chaque continent. C'est un groupe qui a une mission à laquelle les 100 000 collaborateurs de nous sont très attachés, d'apporter la santé par l'alimentation tout le monde. Mission qui nous motive tous, qui nous fait lever maintenant. On opère à travers 5 catégories, 5 divisions. Les premiers étaient frais, les autres, on est le leader mondial. Les eaux et les boissons, donc on est un acteur majeur. L'alimentation infantile, on appelle aussi le food, et puis l'alimentation médicale. Et la cinquième division, la cinquième partie de la note, c'est l'Afrique, puisqu'on a décidé de passer l'Afrique tout en haut de l'agenda. Et de constituer une équipe pour développer l'Afrique parce qu'on y croit beaucoup et qu'on veut se donner les moyens d'opérer sur ce continent, de développer ce continent. La Côte d'Ivoire est très grande en talent. Et ça me dit qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire grossir la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a un potentiel absolument extraordinaire du point de vue du développement de son économie. Il y a un momentum qui est très très fort. Dans une Afrique de l'Ouest, c'est très important. Pour moi, ce que j'attends, c'est que vous soyez vraiment ambitieux. Avec l'exigence tous les jours, mais que vous visiez haut.
Avec ses nouveaux équipements, son personnel et ses partenaires professionnels et engagés, FanMilk Côte d'Ivoire ambitionne de se repositionner clairement sur le marché des produits laitiers glacés et frais, ainsi que sur les boissons au jus, en relevant le défi de proposer des produits en adéquation avec les attentes des consommateurs et toujours respectueux de la législation en vigueur. La nouvelle relance aujourd'hui avec le nouveau packaging, je pense que on a fait quelque chose de formidable. FanMilk Côte d'Ivoire est de retour avec des nouveaux produits, des produits qui sont de qualité, des produits dont les consommateurs apprécieront avec satisfaction et goût de FanMilk Côte d'Ivoire. Et nous allons faire en sorte que la population également soit fan de FanMilk. Nous, en tant que partenaire de FanMilk Côte d'Ivoire, nous entendons un plein succès parce que nous estimons que le travail qui a été abattu pour une meilleure présentation du produit est parfait. Et nous pensons que cette perfection-là va permettre de booster nos ventes et la population aura une entière satisfaction. Les produits que vous voyez là sont très bons. En passant, c'est beaucoup apprécié par les clients. Avec le nouveau emballage apprécié par la population, les jeunes, les enfants, et c'est plus pratique, c'est moins salissant. Vraiment, FanMilk, c'est le meilleur. Avec les nouveaux formats qu'ils viennent d'envoyer, après la sachet, vraiment, c'est très bon. Les gens sont commencés à habituer, ça commence à sortir. Voilà, vraiment, on est content avec le nouvel emballage. Fidèle à son modèle unique, qui a fait son succès depuis de nombreuses années en Afrique de l'Ouest, FanMilk a donc décidé d'investir durablement sur le marché ivoirien afin de développer son activité et sa marque et de permettre aux consommateurs de déguster une gamme large de produits disponibles à proximité des lieux de vie et de consommation, toujours respectueux de la qualité FanMilk. Soyons tous fans de FanMilk.